bonjour Vina. Bonjour. Les filles, j'ai l'extrême chance aujourd'hui d'être avec Vina, qui est notre coach beauté. Vina, nous avons Sarah qui a 32 ans. Bonjour Sarah. Des coucous à Sarah. Bonjour. Sarah, elle a 32 ans et en fait, elle fait beaucoup la fête. Et elle a besoin de trucs pour qu'elle puisse retrouver un teint sublime dès le matin quand t'as dormi une heure. Tu fais comment ? Ben, on met un ampoule d'éclat. D'accord. Donc, après sa douche. Oui, après sa douche. D'accord. On se démaquille. Oui. On commence par son fond de teint. D'accord. Ah, elle remet du fond de teint ? Ben, correcteur. Mais si elle sort. Si elle sort, on met son fond de teint. D'accord. Ses correcteurs, ses anti-cernes, c'est des correcteurs. D'accord. On met ses poudres. D'accord. Donc, ça, c'est le cas où elle va ressortir. Voilà. Ressortir dans la journée parce qu'on met toujours du fond de teint tous les jours. Tout à fait. Imagine, elle rentre à 4h du matin. Elle est un petit peu fatiguée. Mmh. Elle dort une heure. Mmh. Comment est-ce qu'elle peut raviver le teint pour justement faire comme si elle avait passé une nuit entière à dormir? Oh ben là, moi, je conseille l'ampoule coup d'éclat. D'accord. Ok. Une ampoule coup d'éclat sur l'ensemble du visage. Ouais. Oui. Et ensuite, tu as d'autres trucs à donner à Sarah? Qu'est-ce qu'on peut... Pour moi, je mets une cuillère glacée sur les yeux. Voilà, un petit truc à noter les filles. Qu'est-ce que tu dis, hein? Une cuillère glacée. Une cuillère glacée. Qu'on a mis au congélateur avant. D'accord. Sur les paupières. Sur les paupières. Ouais. Pour dégonfler les paupières. Ouais. D'accord. C'est bien ça. D'accord. T'as d'autres trucs à nous donner ou pas? Oh, j'ai plein de trucs, ça me vient. Eh ben. On peut prendre des sachets de thé aussi. Oui, les sachets de thé qu'on met dans le bac à légumes, oui, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah oui, oui, ça c'est. Ça c'est bien aussi. Donc la cuillère fraîche, ouais, glacée, ouais, ouais, sur les paupières. On a des masques aussi qu'on peut mettre sur les yeux. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée, ouais, ça. On le met au congélateur avant. D'accord. Et après, on le pose sur les yeux. On s'endort. D'accord. C'est reposant.